Regarde, c'est moi qui l'a fait. Oui, avec Thierry. Ah oui, Thierry. Je l'ai fait tout seul. Je fais une roulotte avec un cheval plastique. Ah, moi, ça me met bien avec la roulotte en cheval plastique. Oui, alors c'est les miens, ils sont. Ceux-là, ils sont très. Alors, si tu veux rentrer les gens. Oui, parce que là, c'est par rapport à la taille de vos... Madame, bon, moi, j'ai pas besoin de m'arracher une gueule. Ah, bah attends, là, je suis partie parce que là, j'ai en plein. Tu l'as fait cuire à feu doux ou... Oh, bâtard. Counasse. J'ai counasse. J'ai marqué Kounas. Je veux pas de ces mots-là, je t'ai dit. Mais madame, elle nous embête, elle dit. Mais c'est pas possible. Bah oui, comme d'habitude. Tu... Ça va? Ce que tu vois là, c'est tout. Ça, c'est tout les services qu'on utilise dans la cuisine. Mamie, elle vient prendre ta main. C'est des épices qu'on ne trouve pas dans le commerce. C'est vraiment... une fois, c'est des noms un peu bizarres, souvent, comme le galanga, je ne l'ai pas là. Pourquoi les États-Unis, chercher du silex, des bancs de silex, peut-être pour remplacer ce qu'ils faisaient, mais enfin, eux, ils ne faisaient pas des minières, mais ils récupéraient des silex, et durant une période de l'année, donc ce sont des agriculteurs, hein, mais donc les tâches des fois devaient être un peu moins importantes, ils produisaient des séries de bancs de lame, et ensuite, scientifique, il y a un truc, c'est effectivement la raison qui est pas obligé de prendre des preuves. Demander des preuves. Et les preuves, moi, je les apporte. Pas derrière, moi, j'ai apporté plein de preuves. Moi, j'ai fait du calcaire. Ah, c'est tout, là. Alors, est-ce que c'est des coups, vraiment? Moi, j'ai dit que ces roches-là, c'est comme une épreuve qu'on va le montrer.
Alors, parce que certaines branches, comme si je vois, si je mets voilà, elle absorbe très très lentement. C'est la seule différence. Alors, il y en a une. Là. Et pourquoi il y en a une qui absorbe beaucoup plus de trous? Ah voilà. C'est exactement ça. Elle a plus de trous et en plus ils sont plus longs. Alors, on dit que ces proches, elle est perméable. Et l'autre, elle est imperméable. C'est exactement ça. Et une roche imperméable, c'est pas une roche qui laisse pas passer l'eau. C'est juste les trous sont tellement petits que voilà, ils partent en dessous. Donc là, on a une roche imperméable. Maintenant qu'on sait ça, je vais vous poser une question. D'après vous, ce qu'on appelle la nappe phréatique. Vous voyez, c'est l'eau qui est dans le sous-sol. Ça se présente comment cette eau? Cette eau, elle est où? Comment elle est? Attention, elle est dans le sous-sol. Donc pourquoi? Donc, comment elle est? Est-ce que c'est un grand lac dans le sous-sol? C'est dans les roches. C'est exactement ça. C'est gardé.